Je sais pas pourquoi il y a des chapeaux un peu partout comme ça. J'ai envie de tirer dessus, voir si ça fait quelque chose. Ouais, déjà plein. Ok. Plus tard. On va prendre la terrasse d'abord, mais on va se vider les poches. Je sais pas quoi prendre avec moi. On pourra enlever le silencieux de l'arme, du fusil d'assaut, enfin de pistolet mitrailleur. Je crois, mais ça ferait une case au lieu de deux. Pourquoi c'est barricadé maintenant? Fait. On va prendre la rouge, on va la combiner. Ah, on a des balles là. Eh non, il est pas arrivé. Il est pas là. Ça manque de corbeau. J'ai rien dit, il est là, oh là là. Attends.
inspecteur patate. Ouh. Putain. On va faire une sauvegarde, ça fait un petit moment. Faut qu'on passe par la zone de stockage. Encore est-il qu'il y a quand même des salles avec des coffres là qui où il peut pas rentrer. Hein. Parce qu'il y en a beaucoup d'endroits en fait il peut te suivre, même où c'est qu'il y a des sauvegardes et tout, mais là, celle-là par exemple non, donc ça va. Je vais laisser tomber quoi, le truc. Oh la vache. Dommage. Ouais, c'est vrai que dans un sens, ouais, à la limite. T'y vas full force, quoi. Le truc, il te suit partout. C'est bon, là? Alors, salle de stockage, faut aller là. Oh, ça prend deux places. On est tellement proche. Alors là, par contre, on est dans une salle, hein, avec une seule porte. Il arrive, ça va être la merde. Ah, ça fait chier, faudrait prendre le couteau. On retourne au coffre. Parce que sinon, ce serait pas un Resident Evil.
25 minutes, ça fait beaucoup quand même, putain. Je sais pas ce qu'il y a dans le coin de la salle. On dirait un zombie, mais... honnêtement, je suis pas vraiment sûr. Fermé. Ok. Voilà, on est bien là. On est bien niveau ressources, je trouve. Je suis assez content. Juste les balles, c'est pas top, top. Mais... je suis en train de me dire peut-être que le pistolet, on devrait l'enlever pour le moment. Parce que vu qu'on a pas mal de balles... munitions gros calibre, ouais, non. On va peut-être faire ça. Ça paraît plus judicieux pour le moment. Alors on a un panneau électrique, ça il faut les... ah il faut les pièces, on va en mettre déjà une. Ah il va nous falloir ça, la grande roue. Ça c'est fait. Donc, opération grande roue, je crois. Ah oui, on a les pièces, les touches, les touches aussi. On en a qu'une seule, je crois. Qu'une seule, merde. Faut faire ça aussi, et le casier, on fera après. Il faudrait peut-être prendre aussi ça. C'est un peu le bordel, mais... bon, du coup, on n'a plus besoin de monter. Là, je sais pas pourquoi, c'est toujours rouge. Putain, j'ai regardé partout. Alors. Faut retourner au RPD, enfin au principe. Chaufferie. On n'est pas allé dans la chaufferie. La chaufferie doit avoir le deuxième truc. Le deuxième bouton. Alors, comment on y va? Faut passer par le toit? Non. Pas passer par le toit. Faut passer par le bas. On redescend et... je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mr. X, il me faudrait de l'aide en fait. Il faudrait qu'il me défonce ce mur. Je vois pas où passer. Ça, on l'a pas ouvert. Le toit, peut-être. Alors, la terrasse encore. Ah oui, la terrasse alors. Par l'hélicoptère, où c'est qui m'a bloqué. Terrasse à gauche.
On aurait dû prendre la plaque en bois. On est de retour ici. On a le trou de manivelle, on n'a pas la manivelle. Allez, on va à la salle d'attente. Oh, le mec, mais il est relou. Mais c'est d'un relou. Bonne nuit, Gul. C'était bien, Thème, c'est bien passé ou pas? Avant que tu partes. Allez, là. Merde. Vous avez cassé de l'event avec un golo. Ok, cool. Enfin, bonne nuit. Bon week-end. Ah oh non, 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 non. Il peut pas taper le liqueur, honnêtement. Il peut vraiment pas taper le liqueur. DCM. Ouais, ça on le connaissait, on l'a fait. On va prendre ça. On va prendre une grenade sourdissante. Qu'est-ce qu'on fait? On prend lance-grenade. Oh la vache. On va prendre lance-grenade. Regarde-le. Ah mais le... j'ai l'impression que c'est fait exprès. Genre il te suit, tu commences à tracer et après t'as un liqueur qui était pas là juste au tournant. Mais c'est vraiment... c'est super. C'est... je m'amuse. Oh là là. Oh ha ha ha. Je vais mourir. Bon, faut qu'il parte et faut qu'on tue le liqueur parce que... ici c'est notre... c'est notre sauvegarde principale parce qu'il n'y a pas de coffre en fait. Dans le grand hall. Donc on est obligé de le tuer le liqueur. Quoique... non, si, on est obligé parce qu'on fait ça souvent. On fait ça extrêmement souvent. Merde, il est dans la salle. Alors attends. Là on a quoi? C'est quoi ça? Poudre, couteau, film, balle. Grenade. Y'a pas des pochettes? 2-0-3. Oh non, il nous faut les deux.
En plus, c'est des conneries parce que tu peux appuyer avec tes doigts hein, sur ces touches comme ça. Hein. Tu peux appuyer. Hein. Que des conneries. Alors. Saphir, ouais, il devrait avoir la démo normalement. 203. Un 09. 106. 'aurais pu récupérer ça en fait depuis le début, parce que j'avais pas besoin des touches 2 et 3. C'est con. On a quoi d'autre? 1-0-2. La poudre. A plus, Epteron. Bonne nuit, bon week-end. Je vais sûrement streamer dans le week-end aussi, donc bon. 1-0-3, non. 1-0-6. Bon, alors, maintenant le problème c'est ça quoi. Ouais, non, sans tuer le liqueur, laisse tomber, quoi. Les balles là. Waouh, 5. Parce que c'est bien connu, les gens laissent des boîtes de balles avec seulement 5 à l'intérieur. Putain. Voilà, on est bon. Alors, ça, on a fait la touche. Il faudra la deuxième touche qui va se trouver. Bah, du coup, je sais pas. Ah oui, si, là. C'est où qu'on voulait aller? La fonderie. Tu fais pas ça, toi? Bah non, en fait, moi, je les garde toutes. Le mec d'après, il a qu'à se débrouiller. Je suis pas sa mère, quoi. Salle du générateur. Non, chaufferie. Et DCL dans des statues. Des clés. Ah, yes. Ah ouais, non, bah, bon, après, là, faut pas trop chercher pourquoi. Alors, comment on va? Putain, c'est loin la chaufferie. Oh la vache. Alors, faut passer par là. Salle du gardien. Non, pas du tout. Par le toit. Alors on remonte. Non, pas du tout. Alors on sort. On remonte au hall. Salle d'attente. Tac, 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 toit, chaufferie. Ah non. Ouais, si. C'est ça, non? Vous y avez... Vous pouvez pas y retourner à la chaufferie. Parce que là, on était dehors. Là, c'était barricadé, c'est ça? Non, on peut pas y aller. Je suis en train de dire de la merde en fait. Porte verrouillée. Trou.
La manivelle, on l'a pas. Non. Bon, ben, grand rouage alors. Let's go. Y'a plus que ça à faire. On va ressortir, c'est plus safe. Parce que si on passe par là, les douches et le bureau des stars et tout. Ah, quoique. Porte carreau, buanderie. Carreau. Ah, ok. Let's go, on va en. Maintenant, je suis pas sûr de où il est en fait. C'est un radiateur qui goûte, fais pas gaffe. Oh la vache! Avec lui qui rôde tout le temps. Allez, encore un truc chiant. Let's go. Allez vite cette fois. Par exemple, ça, ces trucs-là, on n'a pas besoin du tout de les prendre en fait. Pas besoin du tout de les récupérer. Pas la bibliothèque, non, il faudrait revenir maintenant en dessous. Faudrait que je regarde sur eBay ou sur Etsy s'il n'y a pas quelqu'un qui peut en fabriquer une. Je vais m'en acheter une. Je vais prendre les clés de voiture à un pote et lui mettre dedans. Tiens, tu te débrouilles. Amuse-toi bien. C'est trop fun à faire quoi. Non, il est allé dans ma salle. Quel enfoiré. Énorme. Tésic Prax. J'avais une question par rapport à ce R2. Quand on termine la campagne de Léon, c'est celle de Claire B que l'on a après. On peut choisir de faire. Ça s'appelle Bis. Dans le remake, ça s'appelle Bis. Et on a le choix, ouais. Tu peux faire Claire Bis. Bah après c'est très similaire hein, comme on en parlait avec le chat.
C'est très très similaire à Léon pour le moment. Il y a vraiment des morceaux d'histoire qui sont seulement pour Claire, mais bon. C'est moins différent que la première version du jeu, mais c'est pas grave. Pas trop grave, on va dire. Le jeu reste très bon quand même. Alors. La 203. Salut Mylène, bienvenue. 203. Non, on visite pas tout avec Léon, on se fait exprès, ouais. Bon bah ça va nous aider. Un zéro trois. Et let's go. Ouh. Alors ça faut déposer, on a encore la clé de cœur. Ah c'est ici les archives, exact. Oh. Ok, archives là. On était juste à côté depuis tout à l'heure, ça va faire au moins 40 minutes qu'on est de retour au RPD et on passe à côté de la porte. En fait. Elle est vivante et entière. Salut Lucie, ça va? Qui est Claire pour le moment. Pour le moment. Ok, il y a encore du truc. Oh non! Un foutage de gueule! Oh, chier. Ah! Chambre noire, go! Ouh. Ok, Ziprax, amuse-toi bien sur Resident Evil 2. Il peut toujours pas rentrer, on est d'accord. Ouais, on est d'accord. Bon, on a ça et les roues x2. Ok, on a ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec... Grenade acide. Je sais pas si on fait des grenades acides en plus. Je sais pas. Pour l'instant, pas vraiment besoin. Ça, on va le déposer. Là, on va sauvegarder. Comme ça sera fait. Sinon, je vais mourir et je vais m'énerver. On a deux places. On va poser ça. Ça nous fera 4. Ça nous fera 5. 6. Et la planche en bois. Je sais pas ce qu'on va en faire. Faut vraiment éviter de se faire toucher, là, par contre. Parce qu'on a plus qu'un gros soin. Et ça me ferait chier. Ça me fout les chiens. Oh. Bon, dans tous les cas, retour à la bibliothèque. Donc, retour au centre. Bureau ouest, halle principale. Ah, il est en haut, il est en haut, il est en haut. C'est par là, ouais, c'est par là. Marvin est toujours vivant, hein. Enfin, plus ou moins. On y va.
je regardais. Il n'y a pas quelque chose qui commençait à bouger ou m'attaquer. Ouais, j'aurais simplement voulu, moi, que les barricades qu'on met aux fenêtres avec Léon soient utiles pour Claire. Parce que ça fait un peu chier quand même. Comme dans l'original. Parce que ça a pas l'air d'être utile. Je sais pas où il est exactement. Ok, il y a du zombie. Alors attends. Il y a la tour de l'horloge et la salle de stockage qu'on peut... Ah, la salle de stockage, on va la débloquer. Non! Ah, il est... Non, il est dans la zone, en fait. Je croyais qu'il était derrière moi. Non! Putain de merde, mais je te déteste, toi. J'ai l'impression de lui envoyer de l'air, c'est... Ça fait chier. Alors, on va peut-être utiliser l'herbe verte comme ça. J'avais pas le couteau... Ouais si, j'avais le couteau équipé. Mais je crois qu'il m'a attrapé par l'arrière. Oui, j'ai bien dit. Claire vient de se faire attraper par l'arrière. Et du coup, j'ai pas pu lui planter le couteau ou faire quoi que ce soit. Non, on verra. Rip le sopalin. Ok, on récupère ça. Ah.